Hello, hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dernièrement sur Snapchat, j'ai testé des nouveaux produits sur les cheveux de ma princesse. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous en parler plus profondément. Je vous fais également un article sur le blog, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour pour vous faire un petit récapitulatif des bienfaits. Vous aurez toutes les infos sur la composition du produit, si c'est 100% naturel ou pas, etc, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir le site directement pour avoir toutes les infos sur chacun des produits. Donc là particulièrement je vais vous parler des produits Vilna Saint-Ville et Carolina Bay. Donc ce sont des produits qui sont 100% naturels que vous pouvez utiliser sur les cheveux de vos enfants. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo Afro Life Kids. C'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle, mais 96% pour moi c'est 100%, donc aucun problème pour l'utiliser sur les cheveux de ma princesse. Et je vous montre ça tout de suite. Donc je vais commencer par vous parler de chaque étape donc de sa routine capillaire. Et je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour faire ces soins. Donc les premiers produits que je vais vous présenter, ce sont les produits de lavage pour laver ses cheveux. Donc j'ai utilisé dans la vidéo un produit en particulier, c'est le pain de shampoing de la marque Carolina Bay. Donc c'est un pain de savon qui ressemble à un savon en fait, mais en fait c'est un shampoing solide. Alors c'est un shampoing que j'aime vraiment 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 beaucoup. Je l'ai utilisé sur mes cheveux et sur les cheveux de ma princesse pour voir si j'obtenais les mêmes résultats. Et effectivement on obtient les mêmes résultats. C'est un shampoing qui est vraiment, qui nettoie parfaitement le cheveu crépus. Si vous avez accumulé toute la semaine des graisses dans vos cheveux, tout ce qui est huile, crème capillaire, etc., et que vous les avez accumulées, que vous voulez vraiment vous débarrasser de l'ensemble de ces produits dans vos cheveux, c'est vraiment un pain de shampoing que je vous recommande. Il mousse hyper bien, il mousse très 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 rapidement. Vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'en utiliser énormément. Il vous suffit de passer de l'eau sur vos cheveux et ensuite de passer un tout petit peu de shampoing et ça mousse vraiment énormément tout de suite sur le cheveu. Et vraiment, toutes les graisses qui se sont accumulées sur votre cheveu en sont débarrassées dès la première utilisation. Même pas besoin de l'utiliser 2-3 fois pour faire 2-3 shampoings. C'est inutile. Là, vous avez vraiment un pain qui va débarrasser toutes les saletés de vos cheveux. Donc je l'utilise donc sur cheveux mouillés bien entendu, section par section. Je l'applique sur les cheveux donc section par section. Je mâche dans un premier temps le cuir chevelu et je laisse le produit descendre sur les longueurs. Il n'est pas astringent parce qu'il est hyper doux. Les cheveux ne crispent pas, ils deviennent pas hyper secs après l'utilisation. Ils restent souples et doux. Le cheveu est tellement bien débarrassé de toutes les graisses que toutes les boucles que vous avez naturellement dans vos cheveux se redéfinissent automatiquement. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande d'utiliser sur vos cheveux, mais aussi sur les cheveux de vos enfants. Sans problème, ils peuvent l'utiliser. Moi j'apprends au fur et à mesure à ma fille à se laver les cheveux par elle-même. Et c'est vraiment un produit du coup que je peux lui laisser sans problème pour qu'elle puisse se laver les cheveux toute seule comme une grande. Il y a deux autres produits que je vous conseille d'utiliser aussi sur les cheveux de vos enfants. Donc c'est les produits de la marque Vilna Saint-Ville. Donc c'est la crème lavante et le shampoing. Là on va commencer par le shampoing. Donc le shampoing c'est un produit à 98% d'origine naturelle et il est à base de jojoba, de ricin et d'autres produits. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir faire un tour sur le blog pour voir ce qu'il en est de de la composition de ce produit. Il assèche pas le cheveu, il laisse le cheveu bien hydraté, souple et également doux. Il débarrasse vraiment bien le cheveu des saletés au bout d'une semaine. Moi, je sais que je lave pas les cheveux de ma fille toutes les semaines. Je lui lave les cheveux toutes les 2 semaines
voire toutes les 3 semaines quand elle est en coiffure protectrice. Donc c'est un produit que je vous recommande vraiment si vous avez, si vous voulez vous débarrasser donc des saletés des cheveux de votre enfant après 3 semaines de coiffure protectrice, ou si vous ne lavez pas ses cheveux tous les jours, n'hésitez pas à utiliser ce produit. Le deuxième produit, donc toujours pour laver les cheveux, c'est la crème lavante. Donc la crème lavante qui s'utilise comme un co-wash en fait. Là aussi, je vous mets en barre d'infos mon article sur le co-wash si vous ne savez pas exactement ce que c'est. Et je crois que j'avais fait une vidéo sur le sujet, donc je vous mets ça sur le petit i juste là. Donc c'est une crème lavante qui est à base d'aloe vera et de karité. Donc ça c'est un produit que je vous recommande si vous faites vos soins ou vos lavages de cheveux, si vous lavez vos cheveux pardon, plus souvent dans la semaine. Donc pour vous et pour vos enfants. Si par exemple votre fille fait de la natation ou fait du sport très régulièrement et que vous avez besoin de lui laver les cheveux régulièrement, je vous conseille plutôt d'utiliser la crème lavante. Alors par contre, elle ne va pas débarrasser, contrairement au shampoing, je ne vous conseille pas de l'utiliser si par exemple vous n'avez pas lavé ses cheveux pendant 3 semaines, d'utiliser la crème lavante, vaut mieux utiliser le shampoing. Mais par contre, si vous avez lavé ses cheveux il y a 3 jours, 4 jours et que vous voulez recommencer à laver ses cheveux pour pas que ses cheveux soient trop agressés, n'hésitez pas à utiliser la crème lavante. Aucun souci pour l'utiliser régulièrement, voire 3 fois par semaine. Les cheveux ne sont pas secs après l'avoir utilisé, et ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très important quand on se lave les cheveux après avoir une espèce de paillasse sur la tête. No way. Hors de question, moi je suis pas d'accord pour ça. Donc il faut que mon shampoing ou que ma crème lavante, mon co-wash, me permette d'avoir les cheveux qui restent doux après les avoir utilisés. Donc les produits avec des sulfates qui assèchent complètement le cheveu crépus, oubliez ça s'il vous plaît. Pitié. Ces deux produits sont personnalisables, donc c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des actifs. Les actifs que vous souhaitez, deux produits pour pouvoir faire un soin que vous désirez, un soin personnel par rapport aux problématiques que vous rencontrez pour vos cheveux. Pour le shampoing par exemple, vu que je le trouve un peu plus asséchant par exemple que la crème lavante, je pourrais par exemple vous conseiller de mettre de la glycérine végétale, un chouïa de glycérine végétale dans votre préparation avant de l'utiliser sur vos cheveux permettra de garder plus d'hydratation sur vos cheveux. Donc là c'est vraiment des soins que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez, et donc rajouter les actifs et les nutriments, les huiles, etc. que vous souhaitez dans vos bases personnalisables. Le produit dont je vais vous parler ensuite, c'est l'après-shampoing hydratant et démêlant de chez Carolina B. Donc il est à base d'huile d'argan et d'huile d'olive, et c'est un produit pour enfants, mais vous pouvez très bien l'utiliser aussi pour vos cheveux à vous, si vous voulez un après-shampoing plutôt doux et pas trop agressif, si vous avez les cheveux fragiles, comme les miens par exemple. Vous pouvez l'utiliser dès 3 ans sur les cheveux de vos enfants. Il est sans ingrédients d'origine pétrochimique ou animale, sans colorant, sans sulfate, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans paraffine, sans silicone. C'est vraiment un produit clean pour vos enfants. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc moi, ce que j'aime bien, cet après-shampoing hydrate quand même bien le cheveu de ma fille, mais je le trouve pas assez hydratant et pas assez démêlant. Ma fille a des cheveux, en plus elle est hyper fragile du cuir chevelu, donc il faut vraiment qu'au niveau démêlage, que ce soit un produit qui glisse dans son cheveu, et je trouve que pour son âge, à 8 ans, ses cheveux sont déjà bien durs et bien épais. Ben, bravo. Donc je trouve que pour son âge, ses cheveux sont quand même bien épais, comme les cheveux d'un adulte.
Donc c'est pas un produit que j'utiliserais sur des cheveux qui sont déjà pratiquement adultes en fait. Pour un enfant de 3 ans et tout, on sait qu'ils ont des cheveux beaucoup plus fins, beaucoup plus moins denses, etc. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser sans souci. Après, pour une enfant qui a 8 ans comme la mienne et qui surtout a le cuir chevelu hyper sensible, je trouve qu'il n'est pas assez démêlant. Du coup, je vous conseille l'utilisation du masque capillaire de chez Wilna Saint-Ville. Celui-là aussi, il est personnalisable, hein. Vous pouvez rajouter les actifs que vous souhaitez à l'intérieur pour pouvoir faire votre soin particulier. Si vous voulez qu'il soit plus hydratant, vous rajoutez des actifs hydratants. Si vous voulez qu'il soit plus nourrissant, vous rajoutez des huiles, etc. Si vous voulez qu'il soit plus protéiné, vous rajoutez les ingrédients qui sont nécessaires pour vous rapporter des protéines. Et donc, contrairement au petit après-shampoing de chez Carolina B, qui est très bien, hein, comme je le disais, pour les enfants plus petits, mais pour les enfants un peu plus grands, ce masque capillaire est vraiment excellent. C'est mon gros coup de cœur de la marque Wilna Saint-Ville. Il est vraiment excellent pour démêler les cheveux. Mais vraiment, vous passez le produit dans vos cheveux, vous passez le peigne glisse tout seul, tous les nœuds s'en vont sans problème et du coup ça évite la casse de vos cheveux. Donc c'est vraiment un produit que je vous recommande à 100%. Vous pouvez en faire des stocks sans problème. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous le recommande à 100%. Il est à base de beurre de karité, d'huile de jojoba et d'huile de ricin. Donc l'huile de ricin pour tout ce qui est de la croissance du cheveu, l'huile de jojoba pour la fortification du cheveu, etc. Et pour limiter la casse du cheveu, et le beurre de cacao pour la déshydratation pour nourrir le cheveu en profondeur. Et tout ce petit mélange d'ingrédients fait que ça en fait un masque vraiment hyper nourrissant, hyper hydratant, hyper démêlant, hyper tout ce que vous voulez. Il est hyper, hyper, hyper bien. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande vivement. N'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces produits vous ont intéressé ou pas, si vous les avez déjà utilisés ou pas, si vous utilisez d'autres produits pour les cheveux de vos enfants ou pour vos cheveux qui sont 100% naturels et bien hydratants. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et donc à me laisser un commentaire, ça je l'ai déjà dit. Et donc si vous êtes abonné, pour pouvoir suivre mes vidéos et avoir une petite notification, il faut activer la cloche. Voilà, je vous remercie d'avance. Je vous fais en tout cas des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur un autre sujet. Je vous mets des vidéos là. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.